Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle bulle. Aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet tel la confiance vers soi, en soi, et comment déceler cette substance qui nous permet de créer et d'être objectif dans la vie. La confiance en soi est relativement un état d'être, d'esprit, qui est nécessaire d'intégrer lorsque nous sommes jeunes enfants. Nous pouvons voir des tranches de vie, notamment lorsque nous naissons, nous apprenons à acquérir et intégrer le sevrage que nous faisons auprès de notre mère et par peut-être le substantiel du biberon lorsque nous nourrissons le bébé. Il est nécessaire de prolonger tranquillement ce sevrage afin qu'il n'y ait pas de suite pédagogique et au niveau des mémoires qui peuvent être très essentielles dans son épanouissement lorsqu'il est adolescent, voire adulte. Ça peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques et psychologiques. Nous pouvons rencontrer au-delà du sevrage après la propreté lorsque le bébé grandit, devient jeune fille ou jeune garçon. À ce moment-là, il doit apprendre et être valorisé par ses parents, en tous les cas dans son entourage, pour pouvoir acquérir une confiance en lui-même par rapport à son adolescence ou l'état d'adulte. La confiance en soi est un état psychologique nécessaire à intégrer en tant qu'individu. Si vous avez été valorisé par votre entourage, comme je vous disais à l'instant, vous pouvez, cela dit, si ça n'est pas le cas et que vous avez créé des schémas ou en tout cas on vous a inculqué leurs propres croyances, donc quand vous arrivez à un âge où et vous devez prendre des objectifs, faire des actions dans la vie ou prendre de vos responsabilités. Vous vous heurtez à des impasses, vous êtes dans un blocage, vous êtes dans l'hésitation finalement. Les objectifs que vous vous donnez se décomposent et vous n'avez plus cette foi, cette confiance en vous-même pour les réaliser. Alors, comment en venir à cette confiance en soi? Tout d'abord, l'essentiel, c'est de s'aimer et d'apprendre à se respecter. Pour cela, il est nécessaire de faire un bilan soi-même avec tout ce que vous avez pris conscience de l'enfance jusqu'à l'âge adulte ou si vous avez encore ce jeune âge. Prenez conscience de ce chemin que vous avez parcouru et félicitez-vous d'être vivant et d'être parmi tant d'autres qui vous entourent. Cette confiance en soi permet aussi d'avoir un potentiel objectif dans la vie, mais aussi un dynamisme, c'est-à-dire d'avoir une foi, d'avoir une énergie débordante dans la joie, la bonne humeur et la créativité totalement. La confiance en soi, on l'intègre lorsque nous comprenons que nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre propre existence. Relativement, je vais vous raconter une histoire. Si toutefois vous décidez un matin d'aller boire un café au bord de la plage parce que vous avez envie de vous aérer simplement avec simplicité en regardant l'eau et les vagues, vous avez peut-être des amis sur votre trajet qui vont croiser votre route. Il peut avoir quelqu'un qui va vous suggérer de venir avec lui pour faire d'autres exercices ou voyager. Mais du coup, vous n'aurez plus cet objectif d'aller boire le café. Alors, prenez conscience que vous avez vraiment
votre réalité, votre identité ici sur Terre. Respectez-vous, aimez-vous, et j'ai envie de vous dire bon café. À bientôt. Vous souhaitez suivre les vidéos hebdomadaires L'amour vers soi, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci.